J'y suis presque. Et voilà, un tout nouveau look. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu es réveillée. Oh non, mes cheveux. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, je n'y crois pas, elle a coupé ma frange. De quoi j'ai l'air maintenant? Il me faut une solution de toute urgence. Je dois sûrement pouvoir trouver quelque chose là-dessus. Ah, c'est exactement ce qu'il me faut. Je vais pouvoir arranger ça en deux temps, trois mouvements. Waouh, c'est super. Je vais ajouter un serre-tête pour compléter le look. Ouf, il s'en est fallu de peu. Ça aurait pu être bien pire. Heureusement que j'ai sauvé la mise. Ces cheveux longs commencent vraiment à me taper sur les nerfs. De l'air bien chaud. C'est bon, je crois que ça suffit. J'ai dit, je crois que ça suffit. Oh là là! Oh non, j'ai une crinière de lion. Il faut que j'arrange cette touffe. En plus, il y a plein de nœuds. Il faut vraiment que ce soit si difficile. Tu devrais porter tes cheveux comme ça. Arrête de me toucher, tu veux bien? Je veux juste des cheveux bien lisses. Oh non, je viens de m'arracher toute une mèche. Ça me fera un petit souvenir. Un peu dégoûtant, tu trouves pas? Donne ça, Berk. Voilà, le peigne est propre. T'as vraiment des cheveux super, Annie. Ouais. Eh ben, merci de ton aide, gentil peigne. Je suis toute belle pour aller me promener. Ah. Et maintenant, vers la droite. Et puis, sur la gauche. Oh, j'ai tout le temps les cheveux dans la figure. On touche le sol. Ah, mes cheveux ont ramassé toute la saleté. C'est dégoûtant. Faut que j'aille prendre une douche. Je vais pas pouvoir finir ma gymnastique. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est? Ce mec vient de me marcher sur les cheveux. Oh! On dirait qu'Annie a encore des problèmes de cheveux. Hé, Annie, j'ai une solution pour toi. Fais-toi une queue de cheval comme ça. Oh, c'est joli. Mais je sais pas comment faire. Tu peux m'apprendre, s'il te plaît? Mais bien sûr, d'abord réunis tes cheveux. Puis prends une petite mèche entre tes doigts et... Mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Et ensuite, je fais un nœud comme ça, et encore une fois pour que ça tienne bien. Et voilà, il n'y a plus qu'à les lisser. Encore un peu plus serré, et c'est prêt. Oh mon Dieu! Merci infiniment, Eva! Génial! Mes cheveux ne me gênent plus du tout. Est-ce que ça va passer le test? Je crois que oui. Je touche le sol seulement avec mes mains, plus avec mes cheveux. Ouais! Merci, Eva! C'est reparti! Je me sens si reposée. Oh, c'est vrai. J'ai mis des bigoudis dans mes cheveux. J'ai hâte de les enlever. Allez, je m'y mets. J'espère que mes cheveux vont être beaux. Et le premier est enlevé. Le deuxième aussi. Ah, je suis sûre que mes cheveux sont tout bouclés. Oh, quoi? Ils sont toujours lisses? Comme d'habitude. J'étais censée me réveiller avec de magnifiques boucles. C'est trop injuste. Je veux des boucles. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Mes cheveux ne sont pas bouclés! T'es sérieuse? C'est pour ça que tu pleures? Bon, donne-moi une seconde. On peut te faire des boucles à l'aide de ton fer à lisser. Ça lisse les cheveux, ça ne les boucle pas. Comment tu crois que j'obtiens de telles boucles? Oh, d'accord, je crois que je comprends! Alors, je vais juste prendre une mèche de cheveux et l'enrouler sur elle-même, jusqu'au bout, en serrant bien. Et maintenant, je peux utiliser mon fer à lisser. Je vais simplement chauffer ma mèche torsadée comme ça. Et quand j'enlève le fer, les torsades se transforment en boucles. C'est trop facile! Le résultat est peut-être encore mieux qu'avec un fer à boucler. Elles sont bien rebondies, je les adore! Et tu te concentres? Oh, oui, je me concentre! Il faut se préparer pour l'école. Elle est bizarre. Mes cheveux sont trop beaux maintenant! Je ne vais plus jamais changer de coiffure. Je suis trop contente qu'on fasse enfin ce pique-nique. Viens, on prend une photo. Souris. Super, voyons ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est? Oh, un hélicoptère.
Ashley, regarde! Waouh, c'est génial! Oupa! On dirait qu'il va par là! Oh! Tes cheveux sont tout ébouriffés! Oh non! Quelle galère! Moi j'aime bien, ça fait rétro! Attends, ne bouge pas, j'ai une brosse! Oh merci! Je sens que ça va prendre des plombes! Qu'est-ce que c'est long! Ah voilà! Mes cheveux sont enfin redevenus comme avant! Mindy, réveille-toi! Tiens, ta brosse! Waouh, tu es superbe! Tu veux boire un coup? Oh non! Il revient! Oula! Il faut que je protège mes cheveux! Du calme, j'ai une idée! Je vais séparer tes cheveux en deux mèches. Et toi, tu tournes sur toi-même. Encore un peu... Vas-y! Super! Maintenant, je vais faire un chignon que je vais maintenir avec un chouchou. Waouh! J'adore ce nouveau style! Ouf! Maintenant, on peut profiter tranquillement. Oh oh! Il repasse! Ce n'est pas vrai! Ils le font exprès! Regarde, ma coiffure n'a pas bougé! Merci, Mindy! Tu es un génie! Ouais, je sais. Viens, on fait une autre photo! Sourire! Ses sourcils poussent comme des forcenés! On dirait un homme des cavernes! Pince à épiler, tu sais ce qu'il te reste à faire! Ça, oui! Donne-moi ses sourcils! J'y suis presque! Non, pourquoi pas celui-là? Ah, voilà! Bien joué! Mais attends, je ne peux le garder! Allez, au suivant! Au travail! Je les veux tous! Ouais! Oh non! J'y suis allée trop fort! C'est bon, j'ai tous mes livres pour la journée. Oh là là! Tu ne vas jamais le croire! Mais non, pas possible! Mais oui, t'as vu? Regarde tous ces likes! Incroyable! C'est trop stylé! Il faut que je fasse des vidéos TikTok. Attends voir. Qu'est-ce que je pourrais faire? Cet endroit pourrait faire l'affaire. Je vais installer la caméra juste ici. C'est bon, à moi de danser. Je crois que je vais me détendre un peu. Oula, stop! Arrête de tomber! Oh, c'est pas pratique. Où est-ce que je pourrais le mettre d'autre? Bon, je vais essayer de le caler sur ce banc. Allez, c'est parti! Deuxième prise! Oui, c'est ça! Salut! Non, non, non! Arrête! Reviens! En plus, il est tout sale maintenant! Voilà, c'est l'endroit parfait! Il restera bien en place grâce au livre. Ne bouge pas! Si tu tombes... Oh! Elle se remet à danser! Comme si ces livres allaient servir à quelque chose. Oh, oh. Téléphone! Tu me tapes vraiment sur les nerfs! Et voilà, c'est la solution. Phew! Le scotch est le remède à tout. Mais non! Je suis vraiment collée à ce mur! C'est bon, je vais regarder toute ta Corée cette fois. Oui! J'ai enfin pu terminer ma danse! Alors, je vais juste vérifier... Oui! J'ai tellement faim! Chut! J'essaye d'écouter! Oh! Ça a l'air délicieux! Mindy, tu es sûre que ça va? C'est quoi cette fascination pour l'horloge? Mindy! Eh oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Rien du tout! Laisse tomber! Bien, les enfants! Écoutez, c'est important! Oh! Je sais! Je crois que j'ai à manger dans mon sac! Ça devrait m'aider à tenir jusqu'au repas! Waouh! Ces donuts ont l'air délicieux! Qu'est-ce que... Des donuts avec un glaçage rose! Je rêve! Ça ne va pas se passer comme ça!
Mindy, pas de nourriture en classe. Je pensais que vous n'aviez pas vu. C'était plutôt flagrant. Que je ne t'y reprenne pas. Oh, c'est bon, c'est juste un donut. Oh, les chouchous de Sunny me donnent une idée. Je suis sûre que ça va marcher. C'est aussi joli qu'alléchant. On dirait que ça sent le donut. C'est bizarre. Ouf, elle n'a rien remarqué. Ça mérite une récompense, non? Waouh! Ça, c'est bien joué! Je peux en avoir un? Bien sûr, Kia! Oh, merci beaucoup! Du glaçage! Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Super secours, madame! Merci. C'est ennuyant, je m'ennuie. Oh, mon téléphone! Il va me distraire. C'est le moment de faire quelques selfies. Celui-là ira parfaitement sur mes réseaux sociaux. Mon maquillage ne va pas avec cet éclairage. Je dois régler ça. On va juste retoucher ton teint et s'assurer que tes cheveux sont bien en place. Ok, merci. Ça suffit. C'est mieux. Mes followers vont adorer ces photos. J'ai un look d'enfer aujourd'hui. Ou pas? Oh, ça ne va toujours pas. Je sais ce qui va m'aider. Oui, avec du vent dans les cheveux. Ma photo sera vraiment parfaite. Oui, le vent donne un effet parfait à mes cheveux. Oh, quoi? Le vent est censé dégager mes cheveux en arrière. Pardon, pardon. Petit cafouillage avec le sèche-cheveux. Mais je viens de le réparer. Ok, parfait. On recommence. Tu sais quoi? Arrête. J'ai une meilleure idée. Des confettis et des guirlandes en arrière-plan. Un plan parfait. Waouh, c'est trop cool. Il faut que j'essaye aussi. Bah, elle obtient des guirlandes et j'ai des déchets. Bon, je réessaye. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide pour mes cheveux et mon maquillage. Je ne travaille pas gratuitement, ma chérie. Tu vas devoir payer pour mes services. Oui, bien sûr. Une seconde. Je mets la main sur mon argent. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit dollar qui est passé dans la machine? Bon, ne bouge pas pendant que je travaille. Oui, merci. Maintenant, c'est parti pour quelques selfies. Oh mon Dieu, quoi? Pourquoi est-ce que mon visage est comme ça? Je ressemble à Krusty le clown. Il faut que je finisse de prendre ces notes. Oh, le cours est fini. Regarde par là. Les chats sont trop bêtes. Je les adore. Maintenant, il faut qu'ils me remarquent. Hein? Une vraie intello. Une intello? Bon, peut-être qu'il aime les intellos. Regarde à quel point je suis intelligente. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me montre un livre? Oui, bon. Les livres, ce n'est pas trop mon truc. Ils ne servent à rien. Les livres ne servent à rien? Aucun de mes efforts ne fonctionne. Bon, je crois qu'il faut que je tente quelque chose de plus définitif. Des phrases simples, quelque chose qu'il va comprendre. Allez. Oh là là! Elle vient d'arriver en cours! Non, non, non! Il faut que j'efface l'épreuve! Je ne fais rien du tout! Les chats! Je les adore! Dis donc, regarde qui vient de s'asseoir à côté de moi! Salut, ça va? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Pourquoi est-ce que tous les garçons la remarquent? Attends une seconde! Oh, je sais, c'est les cheveux! Mais je n'ai pas de cheveux longs comme elle! Et je n'ai pas de jolies barrettes! Attends un instant! En fait, je peux peut-être essayer quelque chose! Désolée, mon cher stylo, je vais devoir te démonter, mais c'est pour la bonne cause. Alors, je vais mettre un peu de colle chaude au bout du ressort. Ensuite, je vais y coller le petit pompon. Et voilà, il est bien collé, il ne bouge plus. Ensuite, je vais le mettre dans mes cheveux. Il suffit de tourner comme ça. Je vais en mettre à différents endroits. Ça rentre parfaitement. C'est tout simple. Génial! Ça a fonctionné exactement comme je l'imaginais. Je me lance. Excuse-moi. Salut! Hein? Dis donc, il y a quelque chose qui a changé. J'aime bien! Incroyable! Quelle réussite! Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas vu mes papillons? Tant pis, de toute façon, je n'aime pas les chats. J'ai vraiment passé une nuit horrible. Oula! Tes cernes sont vraiment marquées. J'ai le visage super fatigué. Je te le fais pas dire, mec. Même mes dents ont l'air crevées. Tu n'es pas très propre non plus. Voilà, c'est beaucoup mieux.
Ouh, je suis toute propre. Pouah, ce t-shirt sent mauvais. Je ne te vois pas. Alors? Oh non, pas celui-là. Vraiment? D'accord. Oh, faites un peu gaffe, jeune homme. J'ai pas l'air cool comme ça. Je ressemble à une star de ciné. Ah, tu te trouves beau comme ça? Voilà, ça c'est vraiment moi. Parfait. Bravo mon gars. Un peu de parfum aussi. Ah, tchoum! Je crois que je suis allergique. Et mes cheveux, ça va? Ça pourrait aller mieux. Pas de soucis, je sais quoi faire. Mais quel beau gosse! Contente d'avoir rendu service. C'est bon, juste à temps. Je me disais qu'on pouvait manger ensemble. Ça donne envie. Trop bon. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont des cheveux? Bah, j'aurais pu m'étouffer et mourir. Ça me dégoûte. Oh non! J'ai dû perdre des cheveux en cuisinant. C'est pas possible, Annie! Non mais regarde! Burke! Oh, pardon, je n'ai vraiment pas fait exprès. Gah, hors de ma vue! Je ne peux pas avaler ce truc. J'ai l'impression que c'est coincé dans ma gorge. Oh non! J'ai quelque chose de coincé dans la gorge. Aide-moi! J'étouffe! Oh, oh, je vais te sauver, Thomas! Oh, ne meurs pas tout de suite! Oh waouh! Regarde-moi ce truc! Oh non! Oh, viens, arrête cette pelote de cheveux! Hein? Tire parfait! Annie! Oh pardon, j'ai failli mourir, tu sais! Oui, je suis désolée. Je suis sûre qu'avec ça, tu iras mieux. Dis oui! Oh, bon, je suppose que je peux te pardonner. Tu sais que le chocolat est ma faiblesse. Cette tablette va être trop bonne, je le sens. Mais attends. Et si ce n'était que des cheveux à l'intérieur? Non! Je ne peux pas le faire. J'en ai encore dans la bouche. Oh, tu es vraiment une mauviette. Allô? Oui, je voulais prendre un rendez-vous. À 15h? C'est parfait. Attention, maman! Sérieux! Tu aurais pu me crever l'œil! Elle a laissé ses œufs. J'adore sentir la chaleur du soleil. Ça détend tellement! Bibidi, bobidi, pou! Oups! Oh, pas grave. Oh, tu aimes tes bonbons? Oups! Tu es trop mignonne! Mais c'est quoi cette odeur? Je transpire comme un bœuf, là! Oh là là! Maman! Il faut que je fasse quelque chose! Je vais juste le retourner, ça va? Il est complètement accroché à la poêle! Wow! Qu'est-ce qui se passe? Eh, hey, c'est plutôt drôle! Wouhou! Tu penses que je peux faire un salto cette fois? Ouf! Ça fait vraiment mal! Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je pense que je suis bien cuit là, non? Maman va tellement me tuer! Mais c'est assez drôle! Oh! Tout est trempé! Je ne ressemble à rien! Regarde mes cheveux! Et mon maquillage! Dis donc, il pleut des cordes dehors! Heureusement que j'ai pensé à prendre mon parapluie! Oh, c'est pas juste! Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé?
La pluie a tout fichu en l'air. Ah oui. Tes cheveux ont besoin d'un bon coup de pouce. Hé, attends une seconde. Je crois que je viens d'avoir une super idée. Regarde, le sèche-main juste ici. Mets ta tête dessous. Ça va super bien marcher. Fais-moi confiance. Voilà, comme ça. Il va te sécher les cheveux. Mais non, mes cheveux sont redevenus comme avant. Tu vois, je te l'avais dit. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Encore un petit devoir et c'est l'heure de manger. Waouh, Annie a vraiment la classe. Hé, Annie, tes boucles sont vraiment super jolies. Merci, je voulais essayer quelque chose de nouveau. Oh, les cheveux d'Annie sont superbes. Ce look te va vraiment bien. Oh, arrête, tu vas me faire rougir. Mes cheveux à moi sont raides et banales, comme toujours. Tiens, mais ce stylo pourrait m'aider à changer ça. Je vais enrouler mes cheveux autour et attendre un peu. Et voilà! Oh, je crois que ça n'a pas du tout marché. Il n'y a rien à faire, pauvre de moi. Oh, on ferait bien de reprendre ce devoir. Bon, je vais prendre quelques notes. Zut alors, mon stylo ne marche plus. Je vais souffler dessus, ça devrait aider. Oh, oh. Et, excuse-moi, je peux t'emprunter un stylo? Oh, désolée, je n'ai que celui-là. Eva, tu peux me prêter un stylo? Oh, tu es toute triste. Je suis déprimée à cause de mes cheveux. Ah, c'est tout? Je peux t'aider à te faire des boucles. Regarde, d'abord tu prends une mèche de cheveux. J'utilise deux doigts et j'enroule tes cheveux autour. Puis je fais un petit nœud. Ensuite, je les tire un peu pour qu'ils restent bien en place. Oh, mais ça a l'air facile! Je suis impatiente de voir tes boucles. Attends, ne le défais pas encore. Tu dois attendre au moins une minute. D'accord, je lance le compte à rebours. Voilà, tu peux défaire le nœud. Waouh, c'est vraiment super bouclé! Maintenant, moi aussi, je peux avoir de beaux cheveux. Eva, ça te va super bien. Merci, Annie. Que ferais-je sans toi? Je t'en prie, Eva. Et maintenant, je suis prête pour de nouveaux compliments. Mais il est passé où? Oh, mais c'est une blague! Ah, les garçons! Elle ne serait pas si bien coiffée sans moi. Rien de tel que de manger avec un ami. Mais êtes-vous d'assez bons amis pour lui laisser ta part de pizza? Vas-y, prends-la! Merci, eh ben, bon app! Je vais prendre celle-là. Des poivrons? C'est dégoûtant! Est-ce que tout va bien? Bien sûr! Cet endroit est super! Mais je vais le chauffer un peu. C'est mieux comme ça! Oh non! J'ai la bouche en feu, là! Chris! Tu es sûre que ça va? Il reste quelque chose à boire ici? Hé, c'est du lait? Je peux vous en prendre? J'ai la bouche qui brûle! Merci! Voilà la coupable! C'est la reine des piments! Je meurs d'envie de faire ça depuis toujours! Hé! Hein? Quoi? Je vais éteindre ton brasier! Oh! Je viens juste de chez le coiffeur, non! Et voilà! Je ne suis rien sans mon piquant, mais il revient deux fois plus fort! Elle ne changera jamais! Bah! Pas encore! D'accord, je suis vaincue! Je le savais! Phew! J'ai eu très peur.
Tout le monde a eu peur, je crois. Quelle fouille mouillée! Tout le monde n'aime pas le piment, hein? Une seconde. Bonsoir, je viens pour la fête. Je vous en prie. Bonsoir. Allez-y, passez une bonne soirée. Je peux entrer? Pas si vite. Vous avez vu ce panneau? Tenue pas été exigée. Ma vraie, mais c'est non. Sérieusement? Mais ma tenue est très bien pourtant. Bon, eh bien, j'imagine que c'est fichu. Oh, regarde ça! Je crois que j'ai une idée. Un peu de distraction. Elle veut être éblouie? Très bien dans ce cas. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Doucement mais sûrement. Encore un peu. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Sortez d'ici! Non mais je rêve! Mais au moins j'ai gagné une nouvelle bague. Ah, tant pis. J'aurais essayé. Psst! Oh, hé, par ici. Hein? T'es qui toi? Regarde. Waouh, tout plein de paillettes! Je vais prendre celle-là. En voilà monnaie. Merci, étrange inconnu. Tu ne m'as jamais vu ici, compris? Il est temps de se mettre au travail. Je vais commencer par mettre quelques paillettes dans mes cheveux. C'est super facile! Comme ça brille! Waouh! Je n'ai qu'à exercer une légère pression et les paillettes collent à mes cheveux. Youhou! Waouh! J'adore ce son! Oula, qu'est-ce qui brille comme ça? C'est moi, pas mal, hein? Waouh, c'est super, allez-y! Merci! Waouh, j'adore sa coiffure! Oui, on devrait carrément aller au cinéma! Oui! Waouh, c'est mon moment! Continue d'avancer! Oh, Burke! Quoi de neuf, ma pote? Non, ça n'arrivera pas! Décroche-toi de mon pied, d'accord? Je t'ai dit de me lâcher! C'est de la colle extra forte ou quoi? Bon, je crois que tu vas m'accompagner en cours de chimie. Une nouvelle aventure! Comme c'est excitant! C'est tellement dur de se concentrer. Tout va bien là-dessous? C'est fascinant! Je n'arrive pas à me concentrer sur autre chose que ce satané chewing-gum! Je suis obligée d'être encore là. Je me demande qui est l'assassin. Est-ce que je serai vraiment de nouveau tranquille un jour? Ok, je crois qu'il faut que je mette cette ombre à paupières ensuite. J'y suis presque, mais il manque quelque chose. Je devrais choisir quelle couleur? Bleu, c'est clairement une journée pour du bleu. Oui, ça donnera un coup de peps à mon look. Par contre, il en faut un tout petit peu. Pas trop. Oh non, j'en ai mis partout sur mes cheveux. Qu'est-ce que je suis bête? Je viens de gâcher tout mon look. Attends une seconde, je crois que j'ai une idée. Ça pourrait vraiment le faire. Alors, je vais avoir besoin d'un verre ou d'un bol et d'un peu de gel coiffant. Je vais juste mettre un peu de gel dans le bol, ça devrait suffire. Et maintenant, je passe à l'étape suivante, les paillettes. Je vais juste verser toutes ces paillettes dans le bol avec le gel. C'est trop joli, j'adore! Et maintenant, je vais utiliser ce bâtonnet pour mélanger les paillettes au gel. Oh, c'est si brillant et gélatineux! Rose, orange et bleu, ça va être génial! Je vais commencer par le orange. Je vais avoir besoin d'un pinceau. Maintenant, je vais juste passer le pinceau sur mes cheveux, comme ça. Oh, ça brille tellement, ça rend super bien. Maintenant, je vais ajouter un peu de bleu. Regarde comme c'est joli. Je vais simplement faire des bandes colorées sur tout le côté. Fini, c'est génial. Regarde-moi comme ça brille de mille feux. Je suis trop géniale. C'était la meilleure idée que j'ai eue. Je ne me remets pas de cette réussite. Il faut vraiment que je poste ça sur Instagram. Waouh! TikTok a de super bonnes vidéos aujourd'hui! Mais ce brocoli n'est pas très bon! Oh! Je l'ai fait tomber! Comment il est arrivé là? Oh! Il est un peu sale! Mais j'ai bien vu une sucette! Je l'ai perdu il y a genre un an! Madison, tu m'as retrouvée! Mon régime! Oh,
j'y étais presque. Les légumes sont meilleurs pour ma santé. Hé, j'ai un bien meilleur goût. Oh, soyons réalistes, j'adore les bonbons à la fraise. Et elle est encore en parfait état. Tu sais que je te fais envie. Tu pourras commencer ton régime demain. Juste deux ou trois léchouilles. Ouais, c'est le meilleur des choix. Je mangerai une salade plus tard. Aime-moi comme je t'aime. Attends, je sais résister à la tentation. Mais je croyais que tu m'aimais. Oh, grands mots, les grands remèdes. Tu es tombée dans le piège de sucre. Du sucre! Sans sucre, tu mourras, Madison. J'ai besoin de sucre. Exact. Regarde bien mes yeux. Juste une petite léchouille. D'accord, juste une fois pour goûter. Bienvenue dans mon monde. Un tout petit peu plus près. Je pourrais lécher ce truc pendant des heures. Et ne plus jamais manger de brocoli. Je suis trop heureuse. Ce cours est ennuyant à mourir. Je n'en peux plus de travailler. Un petit goûter, ça me ferait pas de mal. Ça devrait faire du bien. On va pimenter les choses. Oh ouais! Oh! Nul! Trop pourri cette blague! Tu ne sais vraiment pas faire! Oh! Et tu es meilleur que moi! Donne-moi un! Prends-en de la graine! Kate? Tu t'en sors vraiment bien! Oh là là! Ça y est, ça t'impressionne? Je sais que je peux faire mieux que ça! Elle grossit! Je perds le contrôle! Oui! Ha! Oh, ça ne rigole plus maintenant! Oh oh! Comment tu as fait ça si rapidement? Tu vas tomber dans les pommes, ça va être dingue! J'y suis presque! C'est incroyable! Mais maintenant, il est collé à mes cheveux! Ha ha! Perdu! Oh, j'aurais dû m'y attendre! Cette robe est vraiment mignonne! Oula! Mais quoi? C'est juste que tu transpires un peu! Oh non! La honte! J'ai besoin d'une petite retouche! Ce gros pinceau va me tirer d'affaire! Il absorbe tout! Cette sueur ne lui résistera pas! Mais surtout pas trop de poudre! Mais il y en avait beaucoup! Oh là là! Ça y est, c'est fini! Encore un peu! C'est bon, ça couvre bien la sueur? C'est super agréable en tout cas! Et n'oublions pas le nez! Voilà, c'est mieux maintenant! Ouais. Cette fille a besoin d'un miroir. Mon visage ne brille plus du tout. Ah, qu'est-ce que j'ai bien dormi. J'ai rêvé que j'étais réponse et que le prince était incroyablement beau. De quoi commencer la journée d'un bon pied. Oh, quel cauchemar. Toute cette lave et cette chaleur. Oh, et en plus, on dirait que mes cheveux sortent tout droit du cœur du volcan. Voilà, j'ai presque terminé. Bon, et après? Oh, je devrais peut-être arranger un peu mes cheveux. Quelques boucles, ce sera parfait. Bon, plus qu'à attendre. Je pense que ça devrait suffire. Quoi? Ça n'a absolument rien fait. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Je ne comprends pas. Il est branché pourtant. Oh non, tu as mangé les fils. Pourquoi? Comment est-ce que je vais faire? Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Je n'aurai jamais les cheveux bouclés! Tout va bien, ma princesse? Qu'est-ce qui ne va pas?
Mon boucleur est cassé. Regarde. Je peux peut-être arranger ça. J'ai juste besoin d'une brosse. Hein? Mais maman, je veux des boucles. Regarde, on va prendre une mèche de cheveux et l'enrouler comme il faut autour du manche de la brosse. On serre bien. Pour la source de chaleur, on va se servir du sèche-cheveux. On déroule la mèche et... Oh! C'est génial! Continue, maman! Alors, tu vois que c'est facile. Tu vas être très jolie. Voilà, c'est la dernière mèche. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est parfait! Merci, maman! Il n'y a pas de quoi, ma chérie. Amuse-toi bien! Oula! Il faut que je mange quelque chose. Oh, trop bien! Salut! Je suis plutôt mignonne, non? Ça donne trop envie! Wouh! C'est trop drôle! En fait... Hé! Hey, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu t'es arrêtée? Comment est-ce que je pourrais rendre ça encore meilleur? Oh oui! De la crème fouettée! Avec ça, cette fraise va être juste incroyable! Oh! Regarde comme c'est drôle! Miam! C'est trop bon! Allez, j'attaque! Oh oui! C'est trop bon! Je vais rajouter de la crème fouettée! Mais non! C'est incroyable! Regarde-moi toute cette crème fouettée! C'est le meilleur goûter du monde! J'ai vraiment passé un bon moment avec toi! Bon... Je te dis bonne nuit! En fait... À demain, Chris! Oh, elle m'a embrassée! Mais j'ai quoi sur le visage? On dirait... Salut! Bon, alors on reste ensemble. Ah, j'ai super bien dormi. Ces paillettes sont un peu collantes. Tu permets? Prenez ça, les zombies! Oui, vas-y, Chris! Allez, allez, allez! Gagné! Je savais que tu y arriverais! Waouh, mais c'est fou! Complètement dingue! Je crois qu'il me regarde! Mais, c'est quoi ce truc? Oh, ces paillettes ne veulent pas partir! Voilà, bien mieux! Attendez! Oh, les garçons! Ouh, comment sont mes cheveux? Mes bigoudis sont presque tous en place! Je n'ai plus qu'à mettre cette pince! Et voilà! Je vais être magnifique! Allez, c'est l'heure du dodo! Demain matin, j'aurai des boucles vraiment superbes! Je n'ai plus qu'à compter les moutons! Aïe! C'est pas très confortable! Bon, je vais dormir sur le côté. Ce sera plus facile. Oh! C'est pas mieux du tout! De l'autre côté, alors. Oh, c'est fichu bigoudi! Je vais juste passer une bonne nuit et me réveiller avec des boucles! Mais puisque c'est comme ça, j'abandonne! Je vais me débarrasser de ces bigoudis. Je suis condamnée à avoir les cheveux raides. C'est pas juste! Mais qu'est-ce que... Je crois que je viens d'avoir une idée! D'abord, j'entortille mes cheveux autour de mon doigt. Puis, je les fais passer sur ma tête comme ça. Et maintenant, je les attache tout simplement. Parfait! Et en plus, ça tient bien! Ouais, une bonne solution! Ok, ensuite, j'entortille mes cheveux de l'autre côté et je place aussi cette mèche sur ma tête. Une autre barrette et voilà! Excellent! Je vais pouvoir m'endormir tranquillement. Ah, ça c'est bien plus confortable. Je peux même dormir sur le côté. Au dodo. J'ai super bien dormi. Au fait, mes cheveux. Voyons un peu si ça a marché. Sois libre, belle crinière. Accompli.
Regardez un peu toutes ces boucles. Et c'était bien plus facile qu'avec des bigoudis. J'adore! Je vais passer une super journée. Je dois passer par mon casier pour poser mes livres. Tant que j'y suis, autant vérifier que mes cheveux sont bien coiffés. Pile comme il faut, bien lisse. Oh, waouh! Regarde ces cheveux! Ils ont tellement de volume. Waouh! Même les anges parlent de ses cheveux dans le ciel. Waouh! T'es trop belle! On dirait une déesse. Tiens, je t'ai apporté un cadeau. Mon agrafeuse préférée. Je t'ai pris un cadeau aussi. Regarde tous les cadeaux que lui offrent les garçons mignons. Pourquoi est-ce que mes cheveux ne peuvent pas être comme les siens? Pour que je puisse aussi avoir des cadeaux. Je peux peut-être créer un peu de volume dans mes cheveux avec mon peigne. Oui, ça va parfaitement fonctionner. Je le sens. Voilà, avec ça, je vais attirer les regards. Attends, pourquoi est-ce que mes cheveux ont cette texture bizarre? Oh non, je ressemble à la fiancée de Frankenstein. Je vais devoir me cacher derrière ce livre. Merci les garçons, c'est bon, vous pouvez y aller. Je n'arrive pas à croire toute l'attention que j'obtiens grâce à mes cheveux. Hein, c'est quoi ça derrière le livre? Oh, elle a clairement besoin d'aide avec ses cheveux. Salut, qu'est-ce qui s'est passé par là? Oh, rien, je voulais juste essayer quelque chose de nouveau. Ne t'écoute pas, je peux t'aider à réparer ça. Tu as juste besoin d'un peu de lac et de cette pince. Je n'ai besoin que de ça, t'es sûre? D'abord, tu vas prendre la pince et la mettre au-dessus de ton front. Ensuite, tu vas vaporiser un peu de lac. Maintenant, tu vas utiliser un sèche-cheveux pour la sécher. Parfait, pile comme ça. Maintenant, tu peux retirer la pince. Regarde-moi ce volume! Et c'était tellement facile à faire! Waouh! Mes cheveux sont beaucoup mieux coiffés! J'ai l'impression d'être une mannequin! Un grand merci pour les conseils coiffure! Pas de soucis! Utilise tes nouveaux pouvoirs capillaires avec précaution! Salut les garçons! Je veux des mèmes de chat encore et encore! J'espère vraiment que Kate aime les roses, qui ne tente rien à rien! Hein? C'est qui ça? Oh, il est 14h40! Je ne suis même pas habillée! Salut! Kate! Tu es très jolie! C'est pour moi? Oui! Merci! J'adore les roses! Mais il faut que j'aille me préparer! Bon, je peux attendre! Elle va mettre combien de temps? Ok! Ne panique pas! Je commence par quoi? Mon sèche-cheveux, bien sûr! Si seulement ce truc avait un mode de séchage intensif! Ah! Waouh, je commence vraiment à avoir faim! J'ai le temps, non? Non, pas maintenant! Oh non! Merci, ça m'aidera bien à tenir le coup! Oh! C'est moi ça? Il faut que je démêle tout ça! Aïe! C'est une blague? Et un jour de plus de passé. J'aurais dû prendre un calendrier avec moi. Ces fleurs ne sont plus très en forme, à l'image de notre relation. C'est bon, le côté droit est enfin fini. J'espère avoir le courage de finir l'autre. Je ne peux pas relire ça une nouvelle fois. Pourquoi j'ai choisi une fille avec des cheveux longs? Mes cheveux sont magnifiques là, non? Tout lisse et tout doux. Je ferais mieux de rejoindre Thomas. C'est bon, je suis prête. Thomas? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est pas possible! Donc on ne sort pas dîner? Il n'y a pas qu'un mort sur ce banc. Désolée. Mon Dieu, j'espère être assez présentable. Tu es très jolie, Madison. Quelles lèvres magnifiques! Excuse-moi. Oh, quelle haleine de chacal! C'est bon, désolée.
Bah alors, où est mon chewing-gum? J'espère que ça marchera. Tout va bien ici. Mais d'où vient cette puanteur? Alors, cette bactérie est en train de tout gâcher. Pas tant que je serai là. Oh, je t'avais pas vu dans le coin, hein, boule de gomme. Ah, essayez-moi, mademoiselle. Ça va être un jeu d'enfant. Ah ouais? Tiens! Oh non, raté! C'est tout ce que t'as? Tu ne pourras pas lutter contre ça! Boum! Loupé! Ce n'était qu'un échauffement. Prends ça! Mon Dieu! Elles sont rapides! Mais pas assez non plus! D'accord. Adieu, gentil chewing-gum! Mais cette bulle est énorme! Ha! Quand on me cherche, on me trouve. Tout est bien blanc et propre. Parfait! Ça a marché? Ouais! Pardon, qu'est-ce que tu disais? Mission accomplie! Bienvenue dans notre bande! Hein? Quoi? Non! J'espère avoir bonne mine. Allez, je me lance! Ouais, ça y est! Notre premier baiser! Alors tout le monde, j'ai récupéré vos téléphones. Oh, je ferais mieux de cacher le mien. Tout le monde m'a bien donné le sien? Chut, téléphone, ne fais pas de bruit. Arrête, on va se faire prendre à cause de toi. Bon, j'espère que vous avez tous révisé pour ce contrôle. C'est bon, elle ne regarde pas. Je peux utiliser mon portable. Je vais avoir A à ce contrôle. On s'amuse bien. Hé, c'est la réponse pour la question 3. Il faut que je vérifie sur mon autre anti-sèche. Ah, arrête! Je suis chatouilleux! Chut, la prof va t'entendre! Je crois qu'elle n'a toujours rien vu. Salut tout le monde! Regardez-moi! Wouh! Oh là là! Tais-toi! Non, non, non! Un téléphone! Quelqu'un triche! Amène-moi ce téléphone immédiatement! Bon, d'accord. Le voilà! Et retourne t'asseoir maintenant! Désolée, mon pote, je ne vais pas me changer. J'espère vraiment que j'ai laissé mes affaires dans mon casier. Oh, j'ai oublié la clé! Oh, tiens, j'ai de la chance! Allez, satané sac! Descends de mon épaule! Aïe! Entre là-dedans et hors de ma vue! Prête à faire la pom-pom girl! Aïe! Oh non! Mes cheveux se sont coincés dans mon casier! Libère-moi! Oh, ça m'a fait trop mal! C'est parti! Allez, tout le monde! Montrez-nous ce que vous savez faire! Pardon, je suis en retard! Comment tu fais pour être encore en retard? Salut! Bonjour! Salut! C'est bon, je suis prête à tout donner! Allez, on va répéter notre dernier enchaînement! Oui! On le maîtrise bien, celui-là! Ses cheveux sont trop beaux! Allez, on va passer au cran supérieur. Je veux une tonne d'énergie. Si tu le dis! Aïe! Elle m'a frappée avec ses cheveux! Aïe! Tu m'envoies tes cheveux en plein dans la tête! Ne me frappe pas! Ne me frappe pas! Et hop! Coup à éviter! Non! Oh! Ça a dû faire mal! Bon, j'ai un plan. Suis-moi! Oh, bonjour toutes les deux, comment ça va? On va régler ce problème une bonne fois pour toutes. Voilà, première étape, c'est bon. Maintenant, deuxième étape. J'ai juste besoin de 2-3 autres élastiques. Alors, maintenant que j'ai séparé la queue de cheval en deux couettes, on va les entremêler ensemble. Je les sépare elles-mêmes en deux et je les entremêle comme ça. Il faut juste les faire passer l'une dans l'autre plusieurs fois jusqu'au bout. Voilà, j'ai fini! Et comme ça, tes cheveux sont bien attachés. Et on s'y remet. Wouh! Allez! J'ai une fin de loup, c'est incroyable! Un petit cookie me fera forcément du bien.
J'en ai déjà l'eau à la bouche. Viens par là. Hein? J'ai failli mourir de peur avec ce truc. Mon cookie! Il va toucher le sol! Non! À l'aide! Je tombe! Oh, je vais avoir un bleu! Mais regarde-moi toute cette poussière! Wouhou! Je n'ai qu'une envie, me rouler dedans! Tu penses que je peux quand même le manger? Oh, comment il a pu prendre la saleté si vite? Beurre! Je ne veux pas que ça s'approche de ma bouche. Ah! C'est le plus beau jour de ma vie! C'est dégoûtant! C'est toujours comestible, non? Ce n'est pas une bonne idée de manger de la poussière. Bon, pas grave. Vraiment, elle peut manger n'importe quoi. Ça me dégoûte. Alors, il y a quelqu'un dans le coin? Oui, c'est l'heure des M&M's. Il faut juste que j'ouvre ce paquet. Oula! C'est quoi cette lumière? Mais non, le sachet est ouvert. Ça va être trop bon. Oula, elle nous secoue partout. C'est bon, à table. Wouh, c'est parti. Oh, j'en ai eu un rouge. Délicieux, ce sont mes préférés. Allez, prends-moi cette fois. Ah, c'est la pire des couleurs. Qu'est-ce qu'il se passe? Elle me remet dans le paquet. À moi maintenant. Le jaune, c'est beaucoup mieux. Oh non, il y a du monde qui arrive. Et regarde, il y a des bonbons. Oui, j'adore les bonbons. Qu'est-ce qui vient de se passer? On se moque de moi? Dis donc, qu'est-ce qu'on s'ennuie là-dedans? Bon, c'est toujours mieux que rien. Rien de plus joli que des lèvres maquillées. À la prochaine, mon ami! Et maintenant, le reste de mon visage! Ah! La lumière est éblouissante! Mais c'est à mon tour maintenant! Quand est-ce que j'ai nettoyé ce truc pour la dernière fois? Je ne veux pas toucher mon visage avec! Il est tout sale! Mais je n'ai jamais le temps de le laver! Ouh! Fais un peu attention, Annie! La poussière de maquillage me fait toujours éternuer. Mais je sais quoi faire. Un petit bain devrait régler le problème. Et un peu de savon vaisselle. Voilà! C'est super agréable. Et ce savon sent si bon. Un petit passage au micro-ondes. 2 minutes. Voilà! Il va bien sécher là-dedans. Ça y est, c'est prêt! Aïe! Et chaud! Regardez-moi ce tampon tout propre! Oui, je suis comme neuf! Essaye de pas trop me salir, d'accord? Je suis impatiente de t'utiliser! Prêt? Hein? Attends, sérieusement? Mais je viens de prendre un bain! Rien de mieux qu'un tampon à maquillage tout frais! Mais maintenant, il faut encore que je le nettoie. Je t'ai chauffé l'eau de la douche. Ah, je mets trop de temps à me sécher les cheveux. Ah, j'espère que cette douche va me réveiller. Est-ce que c'est... dégueu! Kate perd plus de cheveux que notre chien perd de poils. Oh, Kate! Tu n'as pas nettoyé la douche! Tu ne penses qu'à toi dans cette maison! Ok, je peux le faire! Oh là là! Burk, burk, burk! Ce n'est toujours pas fini! Ne pas vomir, ne pas vomir! Oh là là! Le plus gros arrive! On dirait que Réfo s'est caché dans les tuyaux! Ça doit être la fin! Oh! Quoi? C'est coincé! Allez! Oh! Enlève-toi! Prêt et tirez! Waouh! Regarde-moi ce truc! Ça va faire mal demain! Oh là là! On dirait un animal! Attends un instant! Ça bouge!
Oh, reviens! Je ne sais pas quoi dessiner. Oh, ne bouge pas, Baggy. Tu vas être mon modèle. C'est parti. Génial. Regarde, qu'est-ce que tu en penses? Tu aimes? J'ai bien réussi les yeux, tu ne trouves pas? Coucou, chérie. C'est pour moi? Oui, tiens, ouvre-le. Qu'est-ce que c'est? Génial! Des oreilles de chat! Trop cool! Une seconde. Et voilà! Maintenant, on est pareil, toi et moi! C'est génial, non? Je t'aime, Baggy. Je reviens tout de suite. Pas de soucis. Oh, qui est-ce? Allô? Hein? Ouais, très bien. Regarde, maman, je suis un chat. Oh, tu es adorable. Oh non, mes oreilles de chat! Elles sont fichues. Je ne peux plus les mettre. Je suis trop triste. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, ne t'en fais pas, Ashley. Je crois que j'ai la solution. On va essayer quelque chose avec tes cheveux, d'accord? Commence par tresser une mèche de cheveux, puis fais la même chose de l'autre côté. Courbe-la légèrement et fixe le tout avec une pince. Et maintenant, l'autre côté. Oh, quel adorable petit chat! Fais-moi voir! Waouh, merci, maman! Regarde, Baggy, je suis un chat comme toi! Le bébé avocat est trop mignon. Non, je ne veux pas d'un bébé courgette. Oh, qu'est-ce qui se passe? Debout, c'est l'heure de se lever. Oh, tais-toi! D'accord, dors bien. Oh, je vais utiliser des maracas cette fois. Ça va être sympa. Salut toi, j'ai dit que c'était l'heure de se lever. Arrête, c'est pas vrai. J'essaie de dormir. Je donne tout. C'est l'heure de se lever. Ah, tu te moques de moi? Tu es enfin prête à sortir du lit? Je déteste les réveils. Hein? C'est quoi cette notification? Tu devrais vraiment y jeter un œil. Oh, j'ai tellement de notifications. Bon, je vais juste regarder rapidement. Ah, ça chatouille! Cette vidéo est trop drôle. Dis donc, tu es douée à ce jeu. Je suis trop contente d'avoir de tes nouvelles. Hé, regarde l'heure! Il est déjà si tard! Pas possible! Elle vient de m'abandonner! Je vais être super en retard! Oh non! Mon téléphone n'a plus de batterie! Oh, c'est trop pénible! Heureusement que j'ai mon chargeur! Je vais brancher mon téléphone! Wouh! Allez, je vais à l'école! À plus! Stop! Oh. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce que tu portes là? Non, non, tu ne peux pas mettre ça! Tu es sérieuse? Il n'y a rien de déplacé, ce ne sont que des vêtements normaux! Tu as vu le temps qu'il prévoit pour aujourd'hui? Froid et venteux! Oh. Tu vois? Tu n'es pas assez habillée pour le temps qu'il fait. Ce vieux truc pourri! Vraiment? D'accord. Voilà, je porte ton pull, tu es contente? Oui, très. Passe une bonne journée, chérie. Oh, ce pull est horrible! J'ai trop chaud et il gratte. Oh, c'est le nouveau là-bas! Il est trop mignon! C'est le moment ou jamais de me présenter avant les autres. Salut! Waouh, c'est une tenue intéressante. Oh, merci. Tu veux qu'on aille en cours ensemble? Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, c'est l'électricité statique du pull. Oh, ça a dû faire mal. Oh, mes cheveux aussi sont tout électriques. Satané pull, j'y vais y aller, moi. Hein? Tu vois, tout va bien, maman. Ah, oui, tu as raison. C'est bien. Passe une bonne journée. Merci, à plus. Ouf! Oula! Le nouveau est toujours là. Oups!
Oh, je suis sûre qu'il va bien. C'est l'heure d'enlever ce pull. Hop, adieu. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis coincée. Allez, va-t'en, satané pull. Je ne veux plus de toi. Je suis coincée. Oh, je dois bien pouvoir faire quelque chose. Oh non. Aïe, ma tête et mes coudes.